Bonjour Pascal, bonjour à tous, merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc voilà, on va assister à un de tes entraînements, t'es prêt? Moi je suis prête, mais ce sera tout à l'heure sur le tatami. Je te propose de t'entraîner tranquillement, moi je me mets sur le côté, je t'observe et chauffe-toi bien sur toi. Je parlais d'affrontement sur le tatami tout à l'heure. Bah ça tombe bien, parce que c'est maintenant. Pascal, j'arrive. C'est maintenant le fight? C'est vrai que t'es prête, mais il y a juste un petit souci. C'est quoi le souci? C'est pas le bon casque, je crois. Je t'explique, le taekwondo, c'est simple. Taille, ça veut dire pied. Ah point, ça veut dire point. Ah, et l'autre, c'est la voix. Ah donc, je vais te montrer un petit peu ce que c'est que le taekwondo. Tu balances bien la hanche. Voilà, et tu tires avec le bras. Je vais faire celui-là. Ok, allez, un. Arme bien. Ok, pas mal. Qu'est-ce que t'as l'impression que ça crie en fait? Même pas mal. J'ai cru comprendre que ton planning était surchargé. Tu t'envoles dans quelques jours pour Pékin, c'est en rapport direct avec la préparation des JO. Je pars après-demain effectivement à Pékin pour les test events. C'est la répétition générale des JO pour pouvoir tester les infrastructures et déjà rencontrer un petit peu les meilleurs combattants qui seront présents. Moi je suis quelqu'un de challenge, donc le challenge ce sera d'y aller et de décrocher un peu alors. Deux fois médaillé de bronze. On l'a lu, tu l'as dit, un goût amer, pour toi c'est un échec. Non. Mais vraiment, est-ce qu'on peut parler d'un échec quand on arrive déjà sur la troisième marche du podium? Tout dépend comment on se positionne. Moi je suis un winner, donc de ne pas être sur la première marche, pour moi c'est un échec. D'accord. De toute ma carrière, j'ai eu deux médailles de bronze et les deux médailles de bronze que j'ai eues, c'était qu'au jeu. Moi je me donne ce qu'il y a de mieux, donc je me donne les moyens de réussir. Donc. Pour être un showman, tu chauffes le public, tu arbitres parfois toi-même le jeu, sans fioriture, c'est possible? C'est vrai que moi je suis quelqu'un, j'aime bien partager les choses, j'aime bien transmettre. Et quand je combats et que le public vibre, il y a quelque chose qui se passe, il y a une communion. Est-ce que tu t'es dit, ok, le sport par exemple, je vais l'arrêter à tel âge? Ouais. Ouais, quel âge t'arrêtes? Là c'était dernier. Non. Non. Quand j'arrêterai, ce sera sans regret. Et aujourd'hui, je dis que je vais continuer et après les jeux, je continuerai. Et ce que je dis en général, je le fais.